Au cours de cette célébration eucharistique à laquelle a pris part le vice-gouverneur du Congo central, Grace Kouangamason Bilolo, représentant personnel du chef de l'exécutif provincial Dr. Gibbon Ndongidi en mission officielle, aux côtés d'autres invités de marque parmi lesquels des personnalités politico-administratives venues de tous les quatre coins de la province et des dizaines de centaines de fidèles catholiques ayant pris d'assaut l'esplanade située entre la paroisse Saint-Jean-Apôtre et Saint-André, institut technique professionnel ITP Tchela, ils étaient 10 prêtres et 9 diacres à être nouvellement ordonnés par Monseigneur José-Claude Mbimbamba, évêque du diocèse de Bouma, auquel appartiennent ces nouveaux pasteurs. Dans son homélie, le prélat catholique qui a commémoré le 27 juin dernier son deuxième anniversaire d'ordination épiscopale a profité des ordinations presbytérales et diaconales de ce dimanche 9 juillet 2023 pour d'une part inviter les prêtres nouvellement consacrés à être plus proches du peuple et d'autre part à exhorter les familles de ces nouveaux pasteurs de ne pas être une charge pour les nouveaux ordonnés au point de les inciter aux pratiques mercenaires consistant à extorquer et exploiter les paroissiens naïfs par des prières tarifiées. De son côté, le vice-gouverneur du Congo central, Grace Kouangamason Bilolo, représentant personnel du patron de la province à cette célébration eucharistique animée par une chorale locale à au nom du gouverneur Dr. Gibbon Ndongidi, exprimait sa joie de voir le diocèse de Boma s'enrichir davantage avec l'arrivée des 19 nouveaux prêtres et diacres. Dr. Gibbon Ndongidi, les éventuels allènes. Je vous salue au nom du docteur Gibbon Ndongidi et au mien propre. Je viens devant la communauté du diocèse de Bouma vous remercier infiniment à son nom. C'est un grand jour et un jour festif. Ainsi, je remercie le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui ne cesse d'encourager ce genre d'initiative qui consiste à encadrer les jeunes pour préserver l'harmonie et la paix sociale au sein de nos communautés. Nous lui réitérons nos hommages les plus différents. Signalons par ailleurs qu'après les mots de remerciement notamment à l'évêque émérite du diocèse de Bouma, Mgr Cyprien Mbuka, par les représentants des ordonnés pour son encadrement, le vice-gouverneur du Congo central qui était porteur de messages du chef de l'exécutif provincial à l'évêque du diocèse de Bouma et au nouveau consacré a au nom de l'autorité provinciale Dr. Gibbon Ndongidi remis une enveloppe consistant à l'évêque mais aussi aux nouveaux ordonnés, une façon pour les premiers citoyens de la province d'accompagner la mission d'évangélisation de l'église dans ces diocèses qui compte à son sein plus de 333 prêtres diocésains. De ce point de vue, il est le diocèse le plus riche du pays.